Salut tout le monde, 73-51, Dandy 33, 14, bravo Charlie 33-01. Bon, eh bien, on vous a amené le beau temps ici sur Calais. On repart, on vous laisse la pluie. Attention les stations en fréquence pour Dandy 33 qui l'en s'appelle depuis Calais. Calmez-vous, chacun son tour. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui l'en s'appelle depuis Calais. Bon, allez, on va se chercher une pompe à jus de gasoil. Histoire de pouvoir rentrer directement chez nous sans avoir à s'arrêter à une pompe sur autoroute. À la différence des voitures électriques où tous les 200 km il faut s'arrêter pendant 8 heures pour recharger. Véhicule thermique, ça c'est bon côté. J'ai entendu gazouiller là au départ. C'était pas très français quoi. Attention les stations en fréquence pour Dandy 33 qui l'on s'appelle depuis Calais. Je vais bien, tout va bien. Stop pour les piétons, là je dois m'arrêter. Oh. Ah ah, ça parle. Il m'a semblé que ça parlait français. Bon, ils sont à effet. J'ai pas envie dès le matin de me flinguer les oreilles. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui l'en s'appelle depuis Calais, dans le Pas-de-Calais. Alors hier soir, c'était... Allez, gastro solide, liquide, léger. Alors, une bonne bière, c'était une... Ah bah ça y est, j'ai eu l'air malin, j'ai oublié le nom. Une... Ah, elle est bien cotée celle-là en plus. Ah, elle était très bonne. Et un petit plat de la région, tout aussi léger. Welsh. Ah oui. Ah, vous pouvez manger tout ce que vous voulez après ça.
Attention, les stations à fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Et voilà notre pompe à droite à jus de gasoil. Eh bien, à plus tard sur la route. Sur les stations à fréquence, quelle est la météo du jour? J'espère avoir du grand soleil sur la route. Putain, mais même à une connerie, il n'y a personne qui a envie de répondre. Ah ah ah, les 73-51 à la station. Bon, ben, je suis sur l'autoroute, c'est pourri de chez pourri là au niveau météo. Du vent, de la pluie, du vent. Et pour changer, ben, du vent et de la pluie. Bon, je suis en train d'arriver au péage de la A16. Là, j'étais un petit peu perdu, et puis il y a pas mal de QRM en plus. Ah, chier. Je vais bien voir si ça passe à nouveau, si ça passe mieux après être passé le péage. Oh, comme quoi, quand on sort une connerie, eh bien, il y a du monde, ça répond. Soit faut donner des infos de la route. En espérant qu'il y ait une catastrophe, là je blague. Comme ça, de suite tout le monde s'inquiète. Au cas où ça serait sur son trajet, sur leur trajet. Et voilà, on balance une grosse connerie. Péage est passé. Ben pour ma part, les 73-51 à la station de Dundee 33 en mobile dans le sens nord-sud, on retourne sur la Gironde. Il fait trop mauvais par ici. J'ai 3 tonnes de... Je suis à la hauteur de la sortie 28 Isque-Saint-Mer. Voilà, je suis à ce niveau-là. C'est tellement bourré de QRM là dans le coin là, que j'entends gazouiller derrière. Et c'est tout ce que j'entends. Hein. Désolé. Et ça secoue la voiture en plus. Ben lui, il s'est mis en BMU. Vous voulez une bonne impression de la météo du Nord, du climat du Nord? Là, vous l'avez. Je veux faire une balade en moto. Sortie 27, 9 Chalet, Ardello. Voilà, d'accord. Bon, je me suis mélangé les pinceaux.
Attention les stations fréquences pour lundi dans 33 qui l'en s'appelle. Ah, il semblerait qu'il pleut sur le coin. Attention, station fréquence pour Dindé 33 qui lance appel sur le grand ruban dans le sens nord-sud. Attention, station fréquence pour Dindé 33 qui lance appel sur la A28 à la hauteur de kilomètre 21. Dans le sens nord-sud. Radar à gauche. Oh, il a flashé. Ouais. Allez, 73-51, la station de Dindé 33 à la hauteur de la 22 sur la A28. Ouais, désolé la station, je disais les 73-51 de la part de Dindé 33 sur la A28. Ah ben vu le temps qu'il fait, je peux te dire que la route elle est propre. Hein. Par contre attention, il y a des paparazzi en poste fixe sur les côtés. Ah ok Bouchon, bah merci beaucoup la station. Ah, je parle des boîtes à images fixes. Je dis ça parce que là, il y a quelques secondes, là, j'en ai vu un en sens inverse se faire flasher. Ah ok. Bah on verra bien. Tant que c'est de l'autre côté, ça va. Moi en direction de Rouen, on verra bien. Ah, c'est qu'on serait dans le même sens. Direction Rouen, je suis sur la 28 en direction Rouen. Ouais, et là je viens d'arriver au kilomètre 24, aussi sur la 28 et aussi en direction du sud. Ah ok, Kepouchon, bah la même route, je suis sur la même route que toi. Ah c'est bon, ben pour ma part je suis en push, je suis en voiture. Ah ok, bah si tu vois quelque chose, crie un coup. Ouais, si t'as, je sais pas si je t'ai croisé, si je t'ai doublé, mais bon je suis en Duster blanc. Avec comme antenne une Wilson 5000 sur le toit avec des petits radiants. Ouais, je m'en doutais que c'était toi. Bon, d'accord, donc t'es derrière moi. Firmin, je suis derrière toi. T'as vu un bon camion avec des canards. Ouais, et putain la vache, il y a une espèce de bruit là derrière. Waouh. Ok, oui, le plus beau de tous, je l'ai vu. Firmin, t'as toi, c'est bien moi. Ah oui, il paraît sur la route. Hein. Ah ça, on ne voit que lui, que lui. C'est ce qu'on me dit tout le temps, dans la ville, tout ça, on me dit, on voit que toi, Fredo. Ah oui, non, mais moi, je parlais du camion. Hein. Ah, moi aussi, je parlais du camion, je le rassure. Bah, si je te perds, je te souhaite une bonne route à toi et surtout la prudence. Ok, ça marche. Bonne route à toi. A plus. A plus, à bientôt, mon grand. Alors, les stations. Est-ce qu'il y a des stations d'autres stations en fréquence au secteur pour Dindé 33 qui lance appel dans la descente de la A28 vers. Je ne sais même plus où on arrive là. Alors, les panneaux. Les panneaux, la vallée de la Bresle. Ouais, vallée de la Bresle, direction Blanche. Ouais, voilà. Est-ce que je vois pas mal de QRA là sur la droite. Je me suis dit peut-être que là, il y aurait un petit peu de monde. Ouais, c'est la Cibi, ça se perd quand même. Oui, alors ça se perd, alors il y a pas forcément. Il y a un renouvellement qui se fait.
Et dans le renouvellement qui se fait, pas mal bascule sur les canaux supérieurs en BLU. Ah d'accord, c'est pour ça. Et oui, voilà, c'est pour ça. Du côté des 40 canaux, ben, effectivement, y a nous, il y a pas mal de mille pattes, surtout au niveau de ceux qui sont en peine et tout ça. Il y a aussi des camping-caristes, malgré tout. Et autrement, la grosse majorité sont en BLU. Ils profitent de la propag et tout de ça. Et puis bon, pour beaucoup, ça met du matériel beaucoup plus gros. Et ils sont surtout sur des canaux supérieurs. C'est là que la grosse majorité se trouve. Ah, je pense aussi. Mais bon, moi, je suis là-dessus, et puis je suis bien. De toute façon, je m'en sers pas grave. Il y a plus... Avant, j'étais en benne, ça parlait beaucoup. Maintenant, bah, en hiver, on en a moins. Ah oui. Ah, je vois, moi, pour ma part, je suis sur la Gironde. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bêtes qui sont toujours sur la CB. Hein. On est en trou sur le canal 15, 21, 5, 9, oh, et puis bien d'autres, je ne sais plus en tête. Hein. J'avais un peu la liste là en tête, mais bon là je les ai un peu zappé là depuis. Hein. Mais autrement au niveau des stations fixes, ouais, tu les trouves obligatoirement en BLU. C'est même pour faire du local comme on fait là, hein. Il reste en BLU. Ah, Thermat. Moi je m'en servais beaucoup quand j'étais en carrière pour charger parce qu'on n'avait pas le droit de descendre, il fallait parler à la TV. Ah, ça c'est cool ça. Ah ouais, moi tu donnes ton poids, t'es tranquille, tu as, mais si tu t'invoques. Eh oui, voilà, pour le coup t'as même pas à descendre, tu fais tout dans le camion. Quoi. Ah, t'es calme, ça c'est vrai. Là, j'avais l'image du mec sur le trône en train de parler à la CB, quoi. Ou un petit peu le tableau. Quoi. Ah, moi, la CB, je m'en passerai jamais. Hein. Il y a longtemps que je l'ai. Là, j'ai dit à mon patron, j'ai dû m'en remettre ma fille. Mais oui, je comprends ça. Pour ma part, j'y suis depuis 1982 hein, et toujours dessus. Ah, bah, c'est toujours bon, c'est toujours bon, ça. Oh oui! Là, je viens de passer le kilomètre 34. Ah ouais, bah on doit faire ça, ouais, je suis en train de te perdre. Là, j'arrive au niveau d'un espèce de pont-tunnel. Là, aussitôt après. Alors, attends, le temps de passer. Voilà, je suis passé dedans. Ok, là, oui, je rendu là, je commence à te perdre. Alors, attends, j'arrive au kilomètre 35, voilà, à 28, kilomètre 35. Eh oui, et là, je t'ai perdu. Bon, ben, si toi, par contre, tu m'entends encore, car j'ai rallumé la chaudière derrière, les 73-51, toi, bonne route, bonne journée, et à la prochaine là-dessus. Ok, avec cette espèce de bruit que j'ai derrière, bon, j'ai réussi à t'entendre quand même. Kilomètre 36. Voilà, bonne route, à plus. Bon, ben vous voyez. Alors, pour petit clin d'œil à ceux qui disent il n'y a personne là-dessus, ben, faut déjà commencer par prendre le micro. Quitte à faire un petit peu de monologue, donner la météo, ceci, cela, ainsi de suite, patin, coup fin. Et puis ça vient tout seul. Voilà comment on déclenche des discussions. Voilà. Bon, je suis un petit peu feignant. J'ai pas envie d'aller voir sur les autres canaux. Il y a peut-être du monde, je sais pas, ou personne. J'allais profiter de la musique. Ou pas. Ah, un peu plus tard sur la route. Attention le camping-car, pour d'un des 33 km. Attention.
salle de camping-car pour Dundee 33 qui appelle, qui est juste derrière. Attends, l'antenne elle est là. Le camping-car pour Dundee 33 qui appelle. Excuse-moi, mais j'entends plus rien. Attention, le camping-car que je viens de doubler pour Dundee 33 qui appelle. Bon, dommage. Propague, eh bien oui, on est dans le creux de la vague. Entre la propaguiver qui vient de se terminer, mais ça n'empêche pas quelques passages en VLU. Et la propagueté qui arrivera prochainement. De toute façon, quand c'est comme ça, on apprécie les 40 canaux. Ça sert à rien d'attendre. Ah ah! Les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel à mobile sur la National 10. Jean Bip que j'ai entendu la TriQRP dans le lointain, les 73-51 de Dundee 33 sur le National 10 dans le sens nord-sud. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel à mobile sur la National 10.
verrais bien tout à l'heure du côté d'Angoulême s'ils sont en fréquence comme à l'aller. Et 73-51, la station de la part de Dundee 33 sur les National 10. Ok, 73 Dundee, ici Discover 73. Discover 73, Discover. Non, ça, sur le coup ça me parlait, mais je sais plus. Alexis d'Angoulême, Charente-Périgord. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment pas loin. Bon, j'espère que tout va bien. Et que tout se passe bien sur la route, Hachi. Oh bah oui, c'est, on arrive du Pas-de-Calais, là, direct. Hein. C'est du tout cuiron. J'ai vu quelques antennes sur la route. J'ai fait un QSO là tout à l'heure, là, avec un OM en mille pattes. Hein. C'était super cuiron. Ok, Roger. Ouais, tu vois, quand tu es monté au Pas-de-Calais, j'ai eu une QSP là, de Colibri pour les bons chiffres. Du coup, j'avais noté sur le carnet, il m'a dit que tu redescendrais la début de semaine, donc pas manqué, tu vois, à H3. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne route et à bientôt sur les ondes, j'espère bien. Ok, pour ma part, je repasserai par ici début septembre. Oui, pas avant, début septembre. Et là, en ce moment, côté propag, on voit qu'on est dans le creux. On touche à la fin de la propag hiver. Bon, il y a quand même quelques pointes, hein, quelques trucs, quelques passages DX. Bon, on voit bien là qu'on est dans le creux. Il ne reste plus qu'à attendre la propagété. Et pourtant, là, on en a bien profité depuis, je ne sais plus, septembre-octobre avec le Québec, par exemple. Affirmatif, oui. Bon, comme le Québec, ça passe encore un peu en Bélu, là. Jack Fire et toute la clique sur le 515, ça passe bien. Bon bah écoute, je te laisse là, en te souhaitant une très bonne journée, bonne fin de route et à bientôt sur les ondes. C'était 14 PAT 1601, opérateur Alexis d'Angoulême. Ciao. Ok, vendredi j'ai eu Gilles, 9 Bravo Charlie 555 sur le 625. Ça passait très bien. Ok, les 73-51. Dundee 33, 14, Bravo Charlie 33-01. Attention, Colibri pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh, il a dû lever le cul, Colibri, il doit pas être dans le coin. Ah, j'ai remarqué ça l'après-midi, on ne l'entend pas trop, quoi. C'est surtout le matin. Quoi. Affirmatif, ouais, l'après-midi il fait la sieste et puis après il va faire le petit tour, donc voilà, il est là principalement le matin. Dans 3 km, comment dire, il fait la maintenance. C'est ça. Et le Roger Bip QRP dans le lointain, les 73-51, Dundee 33. C'est beaucoup trop QRP de mon côté, la station, la bonne route. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance à peine. Et le train. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance à peine depuis les environs de Saint-Médard-de-Guizière.
sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Saint-Médard de Buissière. Attention les stations du Coutras pour Dindy 33. Ce contact quelque part. CQDX, appel de 14, bravo Charlie 33, 01 Rémi qui lance appel en direction du Québec-Canada, de 9 bravo Charlie 555 pour voir s'il y a un peu de propague. Ah, du coup, sur le 19, je sais même pas dans quel mode j'étais. Allez, c'est pas grave, ça sera une petite anecdote de fin de vidéo. CQDX, appel en direction du Québec-Canada de 14, bravo Charlie 33, 01 Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France. C'est pas grave, il y aura d'autres fois. Sans casque, sans rien. Eh bien. Attention les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel en mobile. Bon, il est 17h quelque chose, c'est pas l'heure de l'apéro encore là. C'est pas grave, les 73-51, Dindy 33, 14 bravo Charlie 33-01, et bon QSO!